Flic, bonsoir cinéphile et cinéphile. Aujourd'hui, on se retrouve sur Ciné Passion Blu-ray DVD pour vous parler un petit peu de Gaîté. Oui, je sais. Ne m'en veuillez pas. C'est en retard car on l'a reçu très tard, c'est dans notre colis. Mais je remercie Claire, Youssef de Cartel, et Claire de Cartel, et bien entendu Anne et Célia, donc Anne Patrigeon et Célia de chez Universal pour ceci. Et hop, Gru. Voilà, et Gru, il apparaît là. Il s'agit de Moi, moche et méchant, numéro 3. Que dire de ce... Eh oui, je suis un grand enfant, hein. Un grand et gros enfant. Que dire de ce film? Comme d'habitude, le synopsis, puis après on se retrouve, hein. Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de retrouver une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour l'informer du décès de son père. Dans la foulée, il lui annonce l'existence d'un frère jumeau prénommé Dru. Donc il y a Gru et Dru, qui a exprimé le désir de le rencontrer. Et bien nous, on file, on va rencontrer Gru et Dru. Show me what you got, you a pow-pow juggernaut. Take it up a notch, oh my God, wow. Take a mile, let me take a shot. I'ma sit down, get a drink, let you work it out. Step back. Musique. C'est une sorte de monstre? Non, ce n'est pas un monstre. C'est un homme qui porte des épaulettes. Il n'y a qu'un super méchant dont le sens de la mode est aussi ringard. Balthazar Bratt! Je veux tous les agents sur les lieux immédiatement. Les agents Groussi sont en approche. Oui. Attends, quoi? Comment tu nous as appelés? Groussi, tu sais, Grou et Lucie, nos deux noms mélangés. Groussi. Ça me plaît, mais pas trop. Ça me plaît pas. Il s'échappe. C'est ce qu'il croit. Tiens-toi prêt. Prêt à quoi? Bonjour, Gru. Oh, et ça? Quoi? Oh, les filles! Combat de danse! C'est pas fini! Happy birthday to you, Dan. Happy birthday to you. Voilà, j'espère que vous avez rencontré Gru et Dru. Que dire sur ce troisième volet? Moi, moche et méchant 3, Despicable Me 3, c'est un film dessin animé américain. Moi, je trouve qu'il est pas mal du tout. Les mignons sont présents, pas assez, mais il y a des petites subtilités à écouter le langage des mignons. Mais pour moi, c'est pas le meilleur des trois. Je me cache pas, je vais peut-être en faire des déçus ou quoi. C'est pas le meilleur des trois, mais par contre, la BO est à tomber raide mort. Je me suis replongé dans les années 80, avec du Michael Jackson. Bon, tout le monde sait que je suis fan de Michael Jackson. Une fois, je ferai peut-être une petite vidéo sur les films de Jackson. Il y a aussi du Physical de Olivia Newton-John. On a du Love is a Battlefield.
de Pat Benatar, on a du Jump de Van Allen, on a plein de chansons, l'Héritier Family et tout. On a vraiment, vraiment une bonne BO. Là, je m'en cache pas. Le méchant, il est bien avec sa coiffe un petit peu comme le Sachor dit, hein, un petit peu à la bourriquet, un mulet, voilà, c'est un mulet, c'est des coupes qu'on me, enfin, on faisait, moi, heureusement, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Heureusement d'ailleurs, c'est les cheveux très courts devant, vraiment court comme ça, avec long là. Heureusement, moi, je me cache pas, j'ai les cheveux longs partout, donc je suis pas mulet. Et un méchant qui est plutôt gamin. C'est ça qui me chagrine. Par contre, le travail, la réalisation qu'il y a là derrière, c'est à tomber raide mort. Les gens qui ont passé du temps là-dedans à travailler. Rien que quand on voit, quand ils sont en train de faire une poursuite au bord de l'eau, l'effet avec l'eau sur la voiture qui passe sur l'eau, les objets qui tombent dans l'eau ou quoi, c'est magnifique. Le travail d'éclaboussure ou quoi, rien à dire. L'histoire, elle est bien. On sait très bien la chute, comment ça va aller, hein, avec un petit passage après sur Hollywood et tout. Hollywood assez bien représenté. Quand je dis bien représenté, on voit vraiment bien que, comment vous dire ça, c'est les gens, ils sont de là-bas et ils ont vraiment représenté Hollywood comme on le voit quand on y va. Ça, je peux vous l'affirmer. Je ne vais pas encore faire comme certains, mon ramassis de culture, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment quand on voit Some Hall ou le théâtre chinois, le China Theater, c'est vraiment ça. Franchement, les détails, ils sont. Moi, le seul bémol que j'ai vraiment pas aimé, c'est le méchant qui est trop gamin, trop enfant. Voilà. Avec son armée de petits robots, quoi. Mais par contre, les mignons là-dedans, c'est à tomber raide mort. Son frère qui, donc, Bru. Parce qu'il roule les R. Bru. On ne sait pas, donc, Bru et Drou. Drou, on ne sait pas où il habite. Hein, mais c'est une ville où tout le monde se promène avec des cochons. Et c'est lui qui a l'élevage de cochons. Et à un moment donné, ben, c'est même pas vous spoiler. Il y a un mignon, parce que tous les mignons ont déserté, ils ont quitté Grou. Parce que, bon, vous verrez dans l'histoire. Et il y en a deux fidèles, mais deux pigeons, on va dire comme ça, hein, qui suivent Grou. Donc, et ils sont dans la ville de Drou, hein. Et à un moment donné, il va les cochons et il y a le papa, la maman, hein, donc la truie et le cochon et les petits porcinets. Et à un moment donné, il y en a un qui l'attrape, il y en a un qui l'attrape et il fait « Oh, comment vas-tu, salami, quoi ?» Voilà, des conneries pareilles, mais c'est les subtilités. Surtout que des fois, dans leur langage, ben, on a dur à comprendre ce qu'ils disent, quoi. Ça va même jusque des débilités, mais pas possible. Et nous, en tant qu'adultes, on arrive plus à percevoir ce genre de choses que les enfants qui vont voir le dessin animé pour voir un dessin animé. Mais franchement, là, c'est des petites subtilités comme ça, j'adore, quoi. Et puis, bon, bien entendu, le chien, ça, c'est mon animal fétiche. Le chien de Grou, ben, je l'adore, ce chien. Voilà, je l'adore. J'aimerais bien avoir un chien comme ça, avec des dents comme ça, je me poilerais un coup, quoi. Et voilà. Donc, franchement, c'est une bonne surprise quand même pour moi. Mais avec une petite déception, ça vaut quand même pas le premier, ça je persiste et je signe. Alors, en piste audio, on a tant que je vous dis du TS HD, hein, donc de l'italien, du néerlandais, du français, et du roumain et du néerlandais. Voilà. Quand on dit néerlandais belge, c'est du néerlandais pour moi. En audio description, on a du français. Sous-titres néerlandais, français, italien et roumain. Sourd et malentendant anglais, la note que j'ai donnée c'était 8 sur 10 parce que bon, il y a quand même un travail d'orfèvre là derrière et franchement, comme je dis, je suis un grand enfant et voilà. Alors à la réalisation, bien, on a Kyles Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon, scénario est de Ken Durion et Chicon Paul. La voix en français, ben, fatalement tout le monde Grou. Le C, c'est Gad Elmaleh. On le reconnaît moins sur celle-là, je trouve. En Audrey Lamy, qui fait, bien entendu, la femme de Drou. Hein. Grou, pardon. Et David Marseille, qui fait la voix de Drou.
La voix en original, c'est Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Miranda Cosgrove, Stephen Coghlan et Niamh Charrel. La musique est de Heitor Pereira et de Pharrell Williams. Pharrell Williams qui a réalisé énormément de choses et aussi qui est un chanteur et compositeur de musique R&B qui a participé aussi avec des chansons avec Daft Punk si mes souvenirs sont bons. Durée du film 1h30, on les voit vraiment pas passer et je vous dis vous allez vous poiler. C'est sorti chez Universal Pictures France et Universal Pictures Vidéo. C'est sorti, comme je vous disais, je t'excuse du retard, le 7 novembre 2017. Et la sortie en salle était le 5 juillet. Alors, il existe du 4K, du Blu-ray, du DVD, de copie digitale. Alors, en bonus, on a les mini-films La vie secrète de Kyle, en version originale et version sous-titrée. Scène coupée introduite par Dana Gray. Les moments des mignons. Détrempés. Et des mesures profite de personnages. Alors après il y a Steve Carell, donc ça c'est pour la version anglaise. Vous allez voir un petit doublage de Gru et de Drew. Kristen Wiig pour Lucy, qui est la femme de Gru. Hein. Miranda Cosgrove qui fait Margot. Edith c'est Diana Geyer et Niamh Charrel qui fait Agnès. Le making of de Moi, Moche et Méchant 3, le développement de Drew, le dossier de l'AVL, guide touristique de la... Ah voilà, il habite en Fredonie. Moi, Moche et Méchant TV, chanté avec Do It, vidéoclip Yellow Light, pardon, photo d'identité judiciaire des mignons, et avis de recherche. Pourquoi photo judiciaire? Vous allez comprendre pourquoi. Et il y a même une petite parodie du Rock du Bain dedans. Voilà, donc DVD, moi chez Méchant 3, Blu-ray, DVD, franchement, bien. Pour toute la famille, on se poile. Et vous, papa, maman, si vous regardez, faites très attention au dialogue des mignons, c'est d'une subtilité. Voilà. Allez, je vous fixe rendez-vous là bientôt. Et encore une fois, merci au Slasher pour son taf. Et si vous aimez aussi, je vous parle juste comme ça, deux petites secondes, des petites conneries d'animaux ou des choses comme ça. Le Slasher a fait un petit montage de son chien en train de prendre son bain, que je vous invite à aller voir sur sa chaîne Touche à tout, que vous voyez en vitesse, là, qu'il a noté sur... juste avant mon générique de fin. Allez, ciao, à bientôt.